Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le Flash. On commence comme toujours par le point météo. Sale temps sur Bordeaux hein, ce vendredi avec de la pluie au programme de cette journée. Seulement 20 degrés attendus dans l'après-midi. Dernier entraînement pour les hommes de Francis Gillot ce vendredi matin à huis clos avant le déplacement du côté de Valenciennes samedi soir. Match à 19h. Côté infirmerie, toujours 4 absents à Valenciennes. Mater, Aboubakar, Loriot et les cas sont blessés et côté bordelais, Carlos Henrique et David Bellion sont toujours blessés, seront absents donc pour cette rencontre. En revanche, à noter, c'est la bonne nouvelle, le retour de Marc Planus dans le groupe. Les stats à présent dans l'histoire hein, des Valenciennes-Bordeaux, et bien 24 matchs en tout. Dans l'histoire, 7 victoires bordelaises, 8 matchs nuls et 9 défaites l'an dernier. Je vous rappelle que les Girondins avaient fait match nul, 2 buts partout à Valenciennes, des buts signés Jussier et Michael Siani. Et puis, je vous rappelle que les Bordelais n'auront que 3 jours après cette rencontre pour se préparer pour le match suivant. Et le match suivant, c'est un 16e de finale de la Coupe de la Ligue, puisque Bordeaux, je vous le rappelle, se déplacera du côté de Saint-Étienne mercredi soir, donc pour ce match de Coupe de la Ligue. Enfin, dernière information, la réserve des Girondins de Bordeaux reçoit Monaco ce dimanche à 15h au stade Galin. Les Bordelais qui restent sur une victoire et un match nul en championnat. Voilà pour l'essentiel de l'actu. On se retrouve très vite sur Girondins TV.